Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 10h54. Il est un peu plus tard que d'habitude, mais là j'ai fait ce make-up. Voilà, tout simplement. Alors je vais commencer comme d'habitude et vous raconter mon petit week-end. Vendredi, j'ai préparé tous les tacos et ce que je pouvais. J'ai fait 2 cakes salés, un lardon fromage et un olive anchois pour l'apéro, qui sont vite partis, surtout avec mon frère qui a tout bouffé. J'ai préparé ma table et tout ça. Et j'ai fait ça jusqu'à minuit. Voilà, j'ai fait de la popote. J'ai fait des tacos jusqu'à minuit. Comme ça, après, j'avais plus qu'à les remettre au four le lendemain pour les réchauffer. C'était pas fameux fameux, c'est mieux quand on les fait directement bien cuire à la poêle. Donc le samedi, mes copines sont venues et mon frère, mes parents, donc je vais vous montrer mes cadeaux juste après. On a passé encore une fois une super journée. Voilà, j'adore voir les filles, je crois que vous commencez à le savoir. On pourrait se voir plus régulièrement en frais. Là j'ai dit il faut qu'on essaye de s'arranger à se voir au moins tous les 2 mois parce qu'on va pas juste attendre nos anniversaires, sinon ça fait que 3 ou 4 fois par an avec Noël. C'est pas assez, c'est largement pas assez. 6 fois c'est mieux, 12 fois ça sera encore mieux, 24 ça sera encore beaucoup mieux, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Donc les filles sont reparties vers 17h30 comme d'habitude. En principe hein, on se voit toujours vers midi jusqu'à 17h30, c'est l'heure où on repart parce qu'on a quand même pas mal de routes chacune. Sauf celle qui reçoit, bien évidemment. Surtout que chez moi, c'est moi qui habite la plus loin, hein, des trois. Donc voilà, c'est chiant. Et mes parents sont repartis vers 18h30. Mon frère vers presque 20h. Mon frère, c'est un traînard. Hein, il aime traîner. Mais on a passé une super journée. J'ai été très gâtée. Je vais vous montrer ça juste après. Et le dimanche, j'ai refait mes ongles. Je vous montre. Donc j'ai juste mis un vernis de chez Ongles 24, c'est le Néon Lime Glitter, et j'ai mis des voitures d'écale par-dessus, voilà. J'ai refait, donc j'ai un peu triché, j'ai une mèche qui prend pas à l'arrière, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver. Là ça ne se voit pas, je ne sais pas si c'est la couleur que vous voyez, mais alors ça pète dans le fer, le vert est magnifique. Donc sur conseil d'Emmy, j'ai refait un shampoing colorant vert de chez Révolution pour essayer de rattraper cette mèche qui ne veut pas prendre, mais elle a quand même pas très bien pris. Je ne sais pas pourquoi, à mon avis j'ai vraiment mal rincé de base le produit décolorant. Et que du coup, ça prend pas. Je sais pas pourquoi. Mais bon, comme ça, c'est magnifique. J'adore. On parlait un peu avec Amy pour qu'elle me refasse les cheveux quand on se voit pour son anniversaire au mois de mai. Et qu'elle me les fasse comme elle. Mais franchement, je pense que je vais rester dans le vert. Le combo turquoise de Manic Panic plus le vert que j'ai remis par-dessus. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si... Après, le vert, c'est plus moi. Après, le rose, j'aime beaucoup aussi. Hein. J'avais beaucoup aimé quand j'avais fait la dernière fois. Mais c'est vraiment Amy, quoi. Voilà. Et moi, c'est vraiment vert. Donc, je pense que je vais rester avec cette couleur-là. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, je pense que je rachèterai tout ce qu'il faut pour qu'elle me les refasse. On repartirait de zéro. Mais me les refaire en vert, quand même. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et j'ai filmé les swatchs de mes cadeaux de Noël, donc j'ai eu de Noël, d'anniversaire, et j'ai donc utilisé un de mes cadeaux d'anniversaire. Aujourd'hui, je vous tourne une palette truc. De toute façon, c'est avec la Morphe Disney, vous avez déjà eu la vidéo. Donc... Alors, en premier lieu, de mes parents, j'ai eu une rose éternelle. C'est pas une boule de pouling. C'est une rose éternelle rouge, et elle est dans du liquide. C'est la première fois que je vois dans du liquide comme ça, et c'est une vraie. Donc c'est pour ça qu'elle est dans du liquide, hein. C'est du liquide de conservation, c'est une vraie rose, c'est très joli, c'est très lourd, ça fait vraiment boule de bowling. Voilà pour ça. Alors, hop là, on finira par le film. Hein. De la part de mon frère et de ma belle-sœur, j'ai eu, les filles m'ont regardé
C'est eux qui m'ont offert la palette Sephora à Noël. Hein. Je vous ai dit que j'étais un peu déçue parce que c'est le genre de produit que j'utilise pas. Et là, j'ai vu le même principe de chez Nocibé, ma couronne beauté. Alors, j'adore la boîte que je vais bien évidemment garder. De toute façon, je garde toutes les boîtes. Je suis une fana de boîtes. Et j'ai toujours le nez qui coule. Hein. Et je la trouve intéressante comparée à la Sephora. Donc, elle se présente comme ça. Vous allez voir l'éclairage. Ici, ça s'ouvre. Alors, c'est pas la partie la plus intéressante. Hein. Vous avez un miroir, donc ce qui est super pratique. Vous avez des rouges à lèvres, des blushs et des highlighters. Un rouge à lèvres rouge, un gloss rouge pailleté, un mini mascara, un petit crayon, un petit pinceau et un petit pinceau pour, soi-disant, le blush. Hein. Donc, je vous montre. Voilà. Et alors, ça s'ouvre ici. J'ai cherché pendant une demi-heure. Hein. Ça s'ouvre ici, derrière. Et vous avez 6 petites palettes et une de chaque couleur en fait. Et ça, je trouve intéressant parce que la Sephora, c'est vraiment du nude basique. C'est très redondant. Mais ici, ça a l'air intéressant. Alors, il y en a une avec du noir, du gris, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du nude, hein, bien évidemment. Il y a dans les tons un peu plus chauds et une violette. Je trouve ça, je la trouve pas mal. Je trouve que la présentation est très belle. En plus, c'est une couronne. Je la trouve plutôt intéressante. Voilà. Maintenant, je ne sais pas la qualité du tout. Il n'y a pas énormément de mat. Si dans les nudes, ici un peu plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Il faut que je teste. Donc, je testerai une fois. On testera peut-être ça dans un vlog quand j'aurai le temps. Parce que là, je dois enchaîner deux palettes 3 looks. Enfin, une palette 3 looks, deux vidéos. Ça va être compliqué. Alors, on va passer à Mimi la folle. Oh, attendez, parce que la terre, elle est super basse. Donc, Mimi la folle m'a déjà refilé 5 boîtes de déco, comme ça, strass, paillettes et tout ça. Donc, ce n'est pas des cadeaux, hein, c'est dès qu'elle a acheté et qu'elle ne l'utilise pas, donc qu'elle me les a donnés. C'est toujours très utile, voilà, je suis bien contente. Elle m'a également refilé le 5D Lash Power Volumizing Mascara de Révolution, qui s'ouvre comme ceci. Alors, la brosse est énorme. Elle est éléphantesque par rapport à mon yeux, elle est plus grosse que mon yeux, hein. Mais c'est celui que je porte maintenant, là, que je viens de tester. Et j'adore. C'est la première fois que j'aime un mascara Révolution. Et en plus, je l'aime direct, quoi. J'ai pas besoin d'attendre qu'il prenne 3 semaines. J'adore. J'adore le rendu. Donc, merci Mimi. Elle m'a offert 2 backups de la poudre de chez Action à la cerise. Que je vais pouvoir rincher. Et la palette que je viens d'utiliser, que je suis en train de filmer, une palette 3 looks, c'est la Morphe avec Disney. Et oh my god, voilà, donc vous avez déjà eu la vidéo, je vous la mets en barre d'infos, et j'aime beaucoup, je l'ai utilisé qu'une fois pour ce make-up, et j'adore le make-up que je viens de faire, j'ai hâte d'utiliser les autres teints, donc merci ma Mimi. On va passer à Manon. Donc elle m'a offert 2 backups de chez Action aussi. C'est des cotons réutilisables et j'ai plus de batterie. Merci. Voilà. J'ai eu un de chez Primark, un Coconut Crush Body Scrub gommage exfoliant pour le corps, Coconut Fragrance, Stitch et Angel. C'est dans un petit sachet comme ça. C'est trop mignon. Donc je vais m'empresser de le mettre sous ma douche pour l'utiliser tout à l'heure. J'ai eu, que j'ai utilisé pour faire mon teint, 2 pinceaux de chez Autrera. Voilà, c'est dès que j'avais mis en wishlist quand la marque est sortie. La palette m'avait tellement déçue que du coup, je me suis dit, je n'ai pas commandé juste les pinceaux. La houppette, je l'aime bien, mais sans plus, je préfère toujours les Linda Albert. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Alors, je ne sais pas s'il y a une référence dessus. Non, je ne sais pas lire de référence. J'ai utilisé celui-ci qui est assez souple pour le bronzer, il est nickel. Et celui-ci pour le blush, qui est très gros, mais qui est très bien. Voilà, ils sont super doux, franchement. Mais de toute façon, les pinceaux, déjà, Sananas avec Sephora, je les ai beaucoup adorés.
Même si j'utilise plus facilement maintenant les body shop, les boozy shop. Et la pièce maîtresse, alors qu'elle m'a dit 15 fois de ne pas faire tomber, hein, la volume 2, les Norvina. Voilà. Donc j'ai la première, hein, que celle qui m'avait offert, que j'ai fait tomber plein de fois et qui est complètement explosée. C'est pour ça qu'elle m'a dit fais gaffe. Mais après, elles sont super lourdes et super dures à ouvrir. Donc ceci explique cela. Et voilà les teintes. Donc moi j'ai déjà fait les swatchs, je les ai fait hier soir, et oh my god, j'ai vraiment hâte de plonger mes pinceaux dedans également. Donc merci ma bichette. Voilà, pour finir j'aurai les 5 et ça sera tous des cadeaux de sa part. Donc là je vais la poser pour être sûre de ne pas l'abîmer. Donc voilà pour mes petits cadeaux d'anniversaire, j'ai été gâtée, je remercie tout le monde, je remercie surtout les filles d'avoir fait la route jusque chez moi encore une fois, puisqu'elles sont déjà venues à Noël. Et voilà. Mmh. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui, je ne pense pas, de toute façon au pire je vous le dirai demain. Donc là, comme j'ai plus de batterie, on switch le jour. Alors, j'espère être bien centrée, parce que je vous filme avec le téléphone, mon appareil est en train de recharger. Il est 9h55, je suis réveillée depuis 3h30 au matin, voilà, comme d'hab. Mais j'ai déjà tourné un make-up pour une palette 3 looks avec la Morphe. J'ai tourné les favoris, je me suis démaquillée, maintenant il faut que je tourne le troisième make-up et l'autre Shein. J'attends le facteur qui me dépose ma commande. Et j'ai le coup de barre. Donc je pense que je vais aller dormir avant de continuer à filmer, ou filmer demain, je ne sais pas encore. Je vais voir, mais je crois qu'il va falloir que j'aille dormir. J'ai eu le malheur de manger un malheureux gâteau. J'avais l'estomac qui gargouillait et je ne voulais pas qu'il gargouille encore pendant la vidéo. Donc je me suis dit, je vais manger un petit gâteau. Et du coup, j'ai le coup de barre. Dès que je mange, mon corps est fatigué. C'est un truc de fou. Donc là, j'essaye de boire un café, voir si ça va me réveiller ou pas. Mais je doute parce que je suis réveillée depuis 3h30. Il va être 10h et j'ai déjà pas arrêté depuis ce matin. Je fais tourner mes draps qui sont en train de sécher. J'ai rangé, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait 2 vidéos. Voilà quoi. Donc je ne sais pas du tout comment je vais goupiller le reste de la journée. Là je pense qu'il va vraiment falloir que j'aille dormir en premier lieu. Donc je dois attendre le facteur de toute façon. Il va passer d'ici une demi-heure. S'il est en retard. Avec le bol que j'ai, il va être en retard. Mais voilà, comme ça, je pense que comme je vais dormir tôt, je me réveillerai tôt. Et je peux filmer après. Sinon, pire, tant pis, je filmerai demain. Du coup, j'ai décalé la deuxième vidéo, une palette 3 looks avec l'autre vidéo avec l'autre palette que Manon m'a offert, la Norvina. Je l'ai mis pour samedi en bonus, ou ça sera vendredi. En fait, j'ai la vidéo qui est programmée, le crash test du colis du concours de Natacha. Et elle ne l'a pas encore envoyé, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la voir. Bon, je pense que pour vendredi prochain, je l'aurai, un vendredi qui vient pour vous. Donc ça devrait être bon, je pense. Mais de toute façon, ça sera une de ces deux-là. Je ne sais pas encore, on verra quand est-ce qu'elle envoie le colis. Voilà, comme ça me laisse le temps de faire le Disney Challenge ce week-end. Puisque c'est mercredi. Je vais vous donner le planning tant que j'y suis avant de vous dire. Donc lundi les favoris, mercredi le Disney Challenge sur Crocs et Rookie. Vendredi ou samedi, ça sera le crash test du colis et une palette 3 looks avec la Norvina. Donc je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas exactement quel jour. Ça se trouve le colis du concours, vous l'aurez mardi, je ne sais pas. Et donc dimanche le vlog, voilà, vous avez quand même 5 vidéos prévues sur la semaine. Donc on devait retourner à 4 logiquement, mais bon, il y en a une en bonus. Donc voilà. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire pour l'instant. Je voulais crash tester avec vous le goupillon Catrice là et le spray pour le savon. On fera ça soit tout à l'heure, soit demain. Hier, vous avez peut-être pas remarqué, mais j'avais plaqué mes bébés cheveux avec le gel à sourcils, le Catrice là. Attendez, je vous chope. La super glue là, alors c'est bien, ça fonctionne super bien, mais ça fait quand même les petits
peau comme ça, bizarre, hein, c'est chiant. Voilà, mais ça a marché. J'ai réussi à faire des bébés cheveux. Attendez, je regarde. Il y a le concours aussi. Il fallait que je vous rappelle pour le concours Shiglam. Vous avez encore jusque demain minuit. Donc voilà, je vous remets la vidéo. C'est la dernière des palettes Shiglam. Je vous la remets en barre d'infos. Il y a toutes les explications dans la vidéo. Le formulaire dans la barre d'infos de cette vidéo-là. Et voilà. Bah écoutez, là moi je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais attendre le facteur. Je pense quand même que je vais devoir aller dormir parce que je commence à attraper mal la tête, ça y est. Et en plus j'ai toujours le nez. J'ai mal au nez ici, je suis ouverte là. Ça fait super mal. Et ici, c'est un bouton de fièvre que j'ai. Incroyable. Ouais. Voilà. Bah écoutez, soit on switch de moment, soit on switch de jour. Je sais pas trop, mais j'en ai marre de me lever si tôt. Alors, il est 10h32 et je viens de me réveiller. Voilà, j'ai été me recoucher à 8h. Je me suis levée à 10h. Enfin, relevée à 10h. En fait, hier, j'ai été me coucher à 19h30. Donc, à minuit et demi, j'ai terminé. Ou 1h30. 1h30. Ouais, 1h30, je me suis réveillée, bien évidemment. J'ai envie de faire pipi, mais ça faisait déjà 6 heures de sommeil, donc voilà, ceci petit que cela, j'ai fait ma nuit. Hein. J'ai du noir, hein, tu vois, je viens d'aspirer mon poil. Donc forcément, comme d'hab, je me mets du noir partout. Je ne sais pas faire un truc propre, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je ne l'ai pas allumé, je l'allumerai une fois que j'ai fini mon petit blabla, pour ne pas vous enquiquiner. C'est sympa, hein, je suis gentil avec vous, hein, parce que là, je me les gêne, hein, j'ai les mains gelées. Et du coup, bah, depuis ce matin, enfin sur cette nuit, j'ai fait une machine, j'ai fait de la vaisselle, j'ai fait un peu de branchement, j'ai fait 3 montages. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Ah oui, j'ai fait sortir les chichous. Très mauvaise idée. Mais alors, très mauvaise idée, j'ai dû me battre avec Grogu et Luna qui étaient en dessous du canapé. Voilà. Donc du coup, ils ressortiront que ce soir. Ah oui, j'ai démonté la moitié de l'arbre à chat aussi. En fait, j'ai eu l'idée, et Chérie a eu la même que moi en même temps, de diminuer la hauteur de l'arbre à chat, puisqu'ils ne vont pas sur la toute dernière étagère. C'est pas que c'est trop haut pour eux, c'est qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas compris qu'ils avaient accès, je pense. Donc là, j'ai diminué la hauteur pour récupérer le hamac pour mettre dans la cage. À la place du panier blanc, parce que le panier blanc, pour finir, ils vont passer à travers, à force de bouffer. Donc, voilà. Moi, j'ai déjà mis la barre ici. J'ai rajouté 2 tronçons d'arbre à chat hein, parce qu'ils avaient bouffé. Queenie, elle a démonté l'échelle en bois. Mais alors, quand je vous dis démonté, c'est sur 2 nuits et puis barreau l'échelle. Et je dois mettre ça à la place pour pouvoir remonter plus facilement. Et j'y arrive en sautant, hein, mais voilà. Ils aimaient bien prendre ma petite échelle là, donc comme ça. Et ça leur fait un nouveau truc dans la cage. Ils étaient contents. Alors, on va parler. Je vais faire un coup de gueule. Si on veut des commentaires, il faut de temps en temps. Alors, c'est pas pour ceux qui regardent mes vlogs, parce que ceux qui regardent mes vlogs ne sont jamais concernés parce qu'ils sont toujours bienveillants et tout ça, tout ça. Alors, attendez, je vais tous les ouvrir pour savoir dans quel ordre ils vont. Mais j'ai eu des commentaires. Ah non, j'arrive à en ouvrir que 1 à la fois. Attendez. Est-ce que j'arrive? Ouais, faut que je clique un par un. Changer tout ce là sur le match et les ouvrir tout d'un coup. Hein. Ça commence avec Autrera, bien sûr. Hein, le crash test que j'ai fait, Autrera, c'est la vidéo qui m'a valu le plus de pouces vers le bas. Mais les gens sont débiles. Enfin, franchement, ils viennent très, 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 très cons. Hein. Y a une dame qui m'a dit très poliment et gentiment et en échangeant. Elle était étonnée que nous n'apprécie pas la qualité puisqu'elle est là et qu'elle l'aime beaucoup. Après, il faut bien qu'elle plaise à des gens. Voilà, ça ne peut pas être le cas de tout le monde. C'est pour tout pareil. Hein. Ça dépend de votre façon de vous maquiller, la base que vous utilisez, les pinceaux que vous utilisez. Voilà, j'ai rien inventé. Vous avez bien vu que les fards se prélevaient pas, qu'ils n'étaient pas pigmentés, qu'ils ne se travaillaient pas bien, que ça faisait des patchs dégueulasses. Voilà. Et il y en a une donc qui répond à ce commentaire de la dame qui... Après, c'est pas la première qui me dit que je vais pas me maquiller. Hein, mais...
Désolée, je n'ai pas répondu, mais là, j'avais envie, j'étais un peu énervée, c'était avant-hier, je crois. Elle marque donc à l'autre personne, d'accord avec vous, j'ai acheté la palette, les fards sont bien pigmentés, même les fards de transition plus clairs, il faut effectivement savoir les prélever et les travailler, entre parenthèses, en gros, savoir se maquiller, quoi. Là, le résultat final fait ultra sale, caca, désolé, ça ne vient pas de la palette. Alors j'ai répondu, oui, tellement quali que le site a fermé. Peut-être justement qu'elle convient mieux aux débutantes qui sont nulles en maquillage. Mais voilà, si ça va dans un sens, ça va dans l'autre. C'est pas parce que moi, j'aime pas la qualité, auquel ne me convient pas, que je n'aime pas la qualité. J'ai dit à personne, si, j'ai dit que c'était de la merde, en gros. Parce qu'il y a beaucoup moins cher et de meilleure qualité. C'est pas pour ça que j'insinue que les gens qui l'aiment bien sont nuls. Elle, si, voilà. En gros, j'aime pas la palette, donc c'est parce que c'est moi qui suis nulle, c'est moi qui ne suis pas maquillée. Mais l'autre, c'était pareil, hein. Elle avait marqué, en gros, c'est parce que je ne sais pas te maquiller, quoi. Donc, si ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Si elle, elle estime que c'est parce que c'est moi qui suis nulle que je n'aime pas la palette, peut-être qu'elle, elle aime parce qu'elle est nulle, n'est-ce pas? Sur ça, elle me répond, le site n'a pas fermé à cause de la qualité des produits, renseignez-vous, au lieu de dire n'importe quoi. Alors, j'ai répondu, bah après elle peut dire ce qu'elle veut. Hein. Toujours on ferme boutique quand ça marche super bien, c'est bien connu, tout le monde aime perdre de l'argent. Il faut arrêter de se voiler la face. Vous avez bien vu que tout ce qu'elle a fait du début à la fin n'était pas correct. Il faut arrêter, c'est parce que ça ne marchait pas qu'elle a fermé. Ce n'est pas une histoire de temps ou quoi que ce soit. Non, c'est... arrêter, c'est du mensonge pur et simple. On ne ferme pas un truc qui fonctionne quand vous avez mis autant d'argent et autant de temps de votre personne dans un projet, ou alors vous le revendez si ça marche super bien, quoi. Si c'est vraiment une question de temps, vous revendez la marque. Et là, c'est pas le cas. Elle a fermé, tout simplement parce qu'elle ne savait pas la revendre non plus. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas parce qu'elle dit un truc que c'est forcément vrai. Et c'est pareil pour tout le monde sur les réseaux. C'est pas parce que les gens vous disent un truc que c'est forcément la vérité. Faut arrêter. Ils vous font croire ce qu'ils veulent sur les réseaux. Ils vous montrent une vie merveilleuse et tout ça. Ça se trouve, vous savez pas ce qui se passe une fois que la caméra elle est éteinte derrière. Faut arrêter. Alors, elle me marque, si t'es un contentieux avec la personne, c'est une chose, visiblement oui. Après, on juge un produit et clairement, ton avis n'est pas le meilleur car tu ne sais pas te maquiller, désolé. Ton maquillage n'est pas estompé, tu débordes partout, tu ne prélèves clairement pas assez de fard. Bref, c'est ton avis, j'ai le mien sur ce, bonne continuation. C'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo, hein, cocotte. Hein. Faut écouter aussi. Hein, voilà. Je lui ai marqué, on a chacune son avis, certes, cependant, moi, je n'ai pas prétendu que le mien était d'office le bon et que la personne en désaccord avec moi était nulle, comme je le redis peut-être, qu'elle ne convient qu'aux personnes sans talent. Surtout qu'il y a plus de personnes d'accord avec moi que le contraire. Mais bref, si mes make-up sont moches et que je suis nulle, tu peux passer ton chemin et arrêter d'insulter les gens qui n'ont pas le même avis que toi. Je n'ai rien contre Sana, je ne la suis même pas, donc je ne... Tu m'as fait peur. Ah oui, hein. J'ai écrit, donc je juge bien le produit et non la personne. Sur ce, je vais te bloquer afin de t'éviter de tomber sur un de mes affreux make-up. Bon, attendez, parce que Enzo, il a fait tomber le chat dans les escaliers. Bah, ça lui arrive tout le temps, hein. Il tombe tout seul même, alors, tu sais... Ça lui prendra être dans les pieds aussi. Hein. Ah non, mais j'avais mon pied sur sa queue. J'ai cru que c'était toi qui étais tombé. Tu vas traîner où encore, toi? Elle est vraiment c'est la pizzeria. Tu te plains tout le temps, quoi. Il est où la fichette? Alors là, à mon avis, elle a fini la poubelle. Hein. Bon, attendez, je reprends tout de suite. Donc, je disais, avant qu'Enzo ne m'interrompe, il est parti déposer un CV. Les gens sont vraiment très cons. Sous prétexte qu'ils n'ont pas le même avis que vous, ils essayent forcément d'être méchants, blessants. Forcément, ils critiquent l'avis de la personne. Mais chacun son avis, bordel. J'ai pas aimé. Je suis pas la seule à pas l'avoir aimé. Dans les commentaires, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient le même problème. Après, oui, il y en a qui m'ont dit qu'ils l'avaient aimé, qu'ils l'aimaient beaucoup et tout ça. D'ailleurs, la palette, c'est Maryse qui me l'avait envoyée dans le colis parce qu'elle ne l'aimait pas non plus, pour les mêmes raisons.
Donc, je veux dire, on n'est pas débile non plus. C'est pas parce que j'aime pas un produit que c'est moi qui suis nulle. La connerie des gens, quoi. Vous n'êtes pas d'accord avec eux, donc forcément, c'est vous qui avez tort, c'est vous qui êtes nul, c'est vous qui... Enfin, voilà, c'est moi. C'est moi le problème. C'est pas la palette, c'est moi le problème. Et c'est forcément parce que j'ai un problème avec Sana. Sananas, je la regarde même pas. Ça fait des années que je la suis plus, Sananas. Voilà. Mais moi, je reste persuadée que la marque a été fermée parce que ça ne marchait pas et qu'elle a certainement eu des mauvais retours, des problèmes de qualité, des problèmes de gestion d'argent, parce que faire des packagings biscornus, des rouges à lèvres qui s'aimantent et tout ça, c'est de l'argent, ça prend du temps ça, à la conception, ça prend de l'argent, ça coûte plus cher à l'achat pour les clients, et au final, c'est qu'un rouge à lèvres. Hein. Donc, voilà. Elle a juste su pas gérer son truc. Donc voilà, chère madame qui n'est pas d'accord avec moi, je te merde, tout avec ma délicatesse et ma politesse, n'est-ce pas? Alors, nous avons aussi une autre chère madame qui, il y a 3 semaines, m'a mis un commentaire que j'avais jamais vu ce pseudo. Donc, j'ai même pas répondu, j'ai pas liké, j'ai pas répondu. Les commentaires comme ça, je réagis pas à chaque fois parce que j'en ai de temps en temps. Sous les favoris ongles et random de 2021. Merci pour la vidéo. Pas mal de produits que je ne connais pas. J'ai juste été un peu perturbée par le maquillage qui me semble asymétrique. Après, j'imagine que c'est difficile à réaliser. 3 petits points. Les 3 petits points, ça veut tout dire. Hein. C'est déjà d'une, pas le sujet de la vidéo. De deux, tu ne me suis pas, donc tu ne sais pas que je ne vois absolument rien sans mes lunettes. Mais pourquoi aller mettre ce genre de commentaires? Vous êtes convoqué par la directrice de l'école, elle vous parle de votre gamin et d'un coup vous allez lui sortir « Madame, ton liner, il n'est pas droit ?» Il faut arrêter, vous ne feriez pas ça avec la personne en face de vous, donc pourquoi le faire dans une vidéo quoi? Après, tu trouves que mon liner n'est pas symétrique, je suis désolée de t'avoir perturbé, mais je te merde aussi. Il y a 3 semaines, sous mes liners d'hiver, elle a juste mis un petit emoji, donc moi aussi je parle de emoji. Qui fait que ça? Pas répondu, j'ai laissé courir. C'était pas très glorieux, je pense, comme commentaire, hein, mais j'ai pas réagi. Hier ou avant-hier, sous le liner de Saint-Valentin, petit momoji. Donc, moi, comme je parle aussi le momoji couramment, je lui ai répondu. Ce qui lève les yeux au ciel. Elle attendait que ça, je pense, une réaction. Hein. Je suis désolée, mais je trouve que le maquillage de kermesse, c'est mignon sur les enfants. Sur les adultes, je trouve ça ridicule. Mais tous les autres commentaires sont élogieux, donc j'ai sûrement tort. Rome maudit. Donc j'ai répondu, en même temps, c'est le thème de la vidéo. Donc pourquoi la regarder chaque fois et mettre le même commentaire sous chacune des vidéos des liners? Suffit de pas regarder. Les make-up sont affichés sur la miniature. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Tous les make-up, donc tu sais ce qu'il va y avoir comme make-up, donc pourquoi tu cliques dessus si t'aimes pas? Il faut être débile quand même, il faut être légèrement débile. Ensuite, elle me répond la curiosité, sans doute, mais j'ai arrêté avant la fin et je suis peut-être passée à côté d'un maquillage réussi. Bref, je donne mon avis, ce n'est qu'un point de vue parmi d'autres. Oh, la bonne excuse du je donne mon avis, mais j'en ai rien à foutre de ton avis déjà, il n'est pas constructif, il n'est pas intelligent, il est vraiment débile. C'est vraiment de la débilité même, quoi. Il faut être stupide pour aller cliquer sur une vidéo que vous n'aimez pas, juste pour y mettre. Pourquoi tu perds ton temps? C'est des vidéos qui durent presque 30 minutes. Pourquoi tu perds 30 minutes? Bah non, t'as pas regardé jusqu'au bout. T'es jolie. Donc je vais marquer, bref, arrête de cliquer sur mes vidéos, rends-toi service. Qu'est-ce que vous voulez que j'utilise, moi, cette pauvre fille là? Elle a rien de mieux à faire. Bah. En même temps, tu me fais des interactions, hein, cocotte. Bon, j'ai bloqué ses commentaires. Enfin, bloqué. On ne sait pas vraiment bloquer les personnes, mais ses commentaires sont plus visibles sur mes vidéos pour vous, pour moi. Il n'y a plus personne qui les voit. Donc, voilà. J'ai envie de dire, ben, amuse-toi à mettre des momoji. Il n'y a que toi qui sauras qui les a mis. Voilà. Mais faut être con quand même, hein. Regarder une vidéo que tu sais que tu ne vas pas aimer. Faut être débile, hein. Vraiment débile, hein.
Non. Je sais pas. Les gens deviennent vraiment très 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 cons. Hein. Je sais pas si c'est le confinement qui leur a pété les neurones ou qui leur a enlevé un petit peu de savoir-vivre et de gentillesse. Je sais pas. Après, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Hein. Déjà d'une, t'es pas abonné à ma chaîne, donc tu me suis même pas. Je fais la vidéo, c'est les dessins de mes abonnés. Donc en plus, elle critique le talent de mes abonnés, la créativité de mes abonnés. Faut être con. Faut vraiment être très con. Hein. Bref. Voilà. C'est des gens qui pensent, je sais pas, peut-être me blesser ou m'énerver. Ça ne me blesse pas, ça ne m'énerve pas. Ça me fait juste pitié pour la race humaine. Franchement, c'est pitoyable de voir des gens pareils qui n'ont rien de mieux à faire de leur vie. C'est pitoyable, franchement pitoyable. Je ne comprends pas ce genre de personne. Genre, tu croises une personne dans la rue, tu vas lui dire que son liner est de travers, ou qu'elle ne sait pas se maquiller, ou que son maquillage est moche, qu'elle est ridicule parce qu'il y a trop de couleurs. Pas une seconde, j'y crois que ce genre de personne serait capable d'aller le dire en face à quelqu'un. Pas une seconde. Donc à partir du moment où tu n'oses pas le dire en face à quelqu'un, le dis pas à l'écrit parce que tu es planqué derrière ton PC. Hein. Trop facile, hein. Bref. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis fatiguée en ce moment, parce que je dors très mal. Hein. J'ai fait un sondage, hein, quand même, en vous montrant les commentaires de la deuxième. Hein. Pour voir si c'était moi qui étais énervée parce que j'étais fatiguée, vu que je manquais clairement de sommeil, ou si les gens devenaient vraiment très cons. Et vous avez vraiment voté. Il n'y a que un vote, Laurie. Il n'y a que un vote pour que c'est moi qui étais énervée. Puis Laurie m'envoie, mais je me suis trompée. Sinon, c'était du 100%, les gens deviennent débiles. Donc voilà. Je vais pouvoir rallumer mon poêle, j'ai fini mon petit blabla. Ah oui, encore deux petites choses. Alors, Natacha a envoyé mon colis, donc je pense que je vais le recevoir avant la fin de la semaine. Je ne sais pas si je saurais vous faire le unboxing en vlog, puisque si Chéri va me le chercher, c'est tard le soir, après le boulot, quoi. Mais maintenant, le Mondial Relais est plus proche. Ils en ont fait un nouveau ici en bas de la rue. Enfin, en bas de la rue. Il y a 2 km et demi, mais c'est dans la continuité de la grande route où on habite. Donc ça aide pour aller les chercher. Donc voilà, mais de toute façon, je vous ferai le crash test. Quand est-ce que je vous l'ai prévu? Attendez, je vous dis ça tout de suite. Vendredi, bah, qui vient pour vous. Et j'ai mon colis Desenio qui va arriver. C'est une collab. Desenio m'a recontacté et si vous êtes intéressé. Donc la vidéo c'est que pour le 15 mars, c'est eux qui donnent les dates. Hein. Donc je vérifie que c'est bien le 15, oui c'est ça. Mais si vous voulez, si vous avez une commande de prévu, attendez encore un petit mois parce que je vais avoir un code promo qui n'a jamais été donné encore. Vous aurez 35% pendant 3 jours. Donc voilà, si ça peut, si c'est le moment quoi. C'est le moment. Voilà. Moi, j'y gagne rien, hein, à part les cadres que j'ai hâte de recevoir. Vidéo dédiée, obligée avec eux. Hein, mais comme ça, j'agrandirai mon mur de cadre que j'ai fait la dernière fois. Oui, donc je vais dire mur de cadre parce qu'on n'a pas trouvé de mot plus cool. Ou framwall en anglais. Hein. Je ne sais pas ce que le chien fourreau encore, mais il faut le voir. Donc, sur ce, j'ai des filles qui parlent en même temps, donc vous recevez les notifs en même temps que moi. Je vais aller. Je dois laver mes éponges pour pouvoir me maquiller demain. Je pense que demain, je vais tourner le Disney Challenge, comme ça, c'est fait. Après, je peux attaquer le une palette, trois looks avec la Norvina. Et le crash test du colis du concours quand je l'aurai reçu. C'est encore une Morphe, encore en édition limitée. C'est du nude, mais elle a l'air très, 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 très belle. J'ai été voir les swatchs. Et puis, il n'y a pas que ça. Donc, voilà. Ben, écoutez, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Si Chéri fait la cage avec le hamac tout à l'heure, je vous montrerai demain. Demain, on crash testera le produit pour les sourcils et le catrice, le coupier. Et voilà. C'est tout. Donc, bah, on suit toujours. Alors, il est 9h04.
14, je vais me préparer pour aller filmer mon Disney Challenge, mais je vais faire mes sourcils avec vous parce qu'on va tester le goupillon Catrice et le spray fixateur Catrice pour les sourcils. Ça sert strictement à rien, hein, mais voilà. D'ailleurs, je pense qu'après, je vais utiliser mon spray fixateur quotidien, enfin, une fois que j'aurai fini celui-là, pour humidifier mon salon plutôt que de l'eau, comme ça, j'ai un bidon en moins dans mon truc. Donc, je prends mon savon. On sent pas trop le produit, en même temps, le savon, il pue tellement. Je prends mon coupillon, mon spoolie. J'aime bien dire spoolie. On fait une petite papate. Et papate. On chambouille. On enlève l'excédent que je recycle après. Voilà, assez de savon sur mon goupillon. Et on y va. Voilà, donc le côté là, il est plus que basique, hein, par rapport aux révolutions, c'est exactement le même. Maintenant, si vous voulez des beaux sourcils bien définis, je vous conseille carrément de prendre les goupillons qui sont au cul des crayons à sourcils, parce qu'ils sont bien denses. Par contre, pour plaquer, c'est un peu petit. Hein. Donc là, je plaque. Hein. On laisse un petit peu s'échouiller, on fait l'eau pendant ce temps-là. J'ai faim. Oh, l'estomac qui gargouille. Donc on les met en forme. Je peux poser mon savon, j'en ai plus besoin. Et je vais utiliser du coup la petite brossette. Là, on va voir si ça les définit bien. Mieux que la révolution. Bon, ça fonctionne en tout cas. Mais le révolution, il ne sait pas mieux. Aussi. Voilà, vous voyez. Je préfère avec le révolution, ça fait pas des petits paquets. Par contre, il doit être pas mal pour blender le crayon quand vous mettez rien sur vos sourcils. Mais avec le savon, je pense pas que ce soit idéal. Celui-ci, il est vraiment idéal pour les sobres. Vous voyez comme il définit bien le dessus. Moi, j'aime quand ils sont bien définis, qu'on voit limite le poil, quoi. Voilà, donc bon. Et à mon avis, il est bien quand vous ne faites pas au savon. J'essayerai demain. Juste avec du crayon ou du gel à sourcils par exemple, mais ouais, à mon avis il doit bien blender le crayon, mais pas dans le savon il épaissit les sourcils, donc ça blende pas assez, je pense. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'aime quand j'ai mes sourcils qui sont fins. Donc celui-là je peux le ranger, celui-là c'est pour laver, et ma foi le petit spray là, il sert pas à grand chose en plus que du savon. Peut-être que ça les fixe un peu plus parce que bon, c'est du fixateur, mais avec un fixateur basique, voilà, vous prenez votre fixateur que vous utilisez pour votre teint, ça fait exactement la même chose, hein, pas besoin d'aller dépenser. Bon, après c'est pas très cher, hein, d'accord, mais pas besoin de dépenser des sous d'un non plus. Mais voilà, moi c'était marqué Bro, donc j'ai acheté, et en plus le nom me fait rire. Bam boum Bro. Ça me fait rire parce que par contre il pue, donc je fixerai pas mon teint avec. Hein. Ouais, franchement, ils sont vraiment pas bons. Donc, je vais l'utiliser pour mon savon. Et après, j'utiliserai celui que j'utilise habituellement pour fixer mon teint. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai rien de plus à vous dire. Je regarde si mon suivi... mon paquet mondial relais, donc du lot du concours, a toujours pas bougé. Et mon colis des aignaux... a pas l'air d'arriver aujourd'hui non plus. Bon, je pense pas.
AliExpress, de toute façon, les deux petites commandes que j'attends, je pense qu'il sait les mettre dans la boîte aux lettres. Si c'est mon facteur habituel, parce que si c'est l'autre, il ne sait pas que la boîte aux lettres s'ouvre. Donc voilà, je vais faire mon teint tranquille en regardant la dernière vidéo du Crime qui vient de sortir sur Daisy Coleman. Et je pense qu'après, je regarderai le documentaire Netflix, il est encore dispo, parce qu'il y a un documentaire Netflix. Que j'ai déjà vu, hein, mais je pense que je regarderai. Je ne sais pas. Là, je vais faire mon teint en regardant la vidéo. Je vais aller filmer, monter ma vidéo et achever ce que j'étais en train de faire. En fait, depuis ce matin, j'ai bien dormi cette nuit. J'ai été me coucher à 21h et je me suis levée à 4h30 du matin. C'est presque une grasse matinée chez moi. Et j'ai fait deux machines, le lave-vaisselle, j'ai rangé, j'ai nettoyé ma cuisine. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai préparé ce qu'il me fallait pour ma vidéo. Et là, j'avais tourné ma vidéo, rangé mon petit bordel, et il faut que je nettoie. Donc, je pense que la journée sera déjà pas mal entamée. On va voir. Il y a un vent de dingue. C'était la tempête cette nuit. Enfin, ce matin, 4h30, quand moi je me suis levée, j'ai vu que c'était la tempête. Bref, donc, ben écoutez, moi je vais me préparer pour la vidéo et si jamais il se passe quelque chose, je vous reprends. Sinon, je ne vous reprends pas, je ne sais pas. Voilà, à tantôt ou à demain. Alors, il est 7h moins quart, je vais vous montrer un peu les bébés. On a modifié un peu la cage. Le problème, c'est que ils n'arrêtent pas de fuguer en ce moment. Cunier s'est barré de la cage hier encore. Fille de là, toi. Allez. Bonjour les bébés. Non, non, non. Gougou aussi, il cherche à se barrer. Il y a le chat juste en dessous, alors vous bougez pas. Je vais pas laisser ouvert longtemps parce que là, il y a mes mères Cunies qui attend pour se sauver. Hein? Oui, t'attends pour te sauver. Je sais que t'attends pour te sauver. Ah, t'écartes les pattes pour les caresses. Oh. Non, 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 non. Eh, eh, eh. Rattrapage de chichou au vol. Non, mais ces deux-là, hein, je vous jure, c'est les deux qui font le plus de conneries. Bon. Attendez, je ferme parce qu'il y a le chat juste en dessous, alors. Parce que le chat, il va mieux. Et du coup, il aime bien. J'ai nettoyé hier, hein. Qu'est-ce que tu fais, Damon? Damon, je peux savoir ce que tu fais? Hein? Si Gougou le voit, il va descendre l'attaquer. Hein, Gougou? C'est Gougou? Ah non, c'est Luna, là. On a du mal à les différencier maintenant. On a remodifié, donc j'ai remis la fraise et on a mis le hamac ici, donc qui vient de leur rachat, qui sert maintenant de porte-couverture. J'ai diminué la hauteur et on a mis donc le hamac ici au-dessus, mais je vous montrerai la semaine prochaine quand ils dormiront. Et on s'est servi des rondins là pour faire les griffes, pour faire l'échelle, puisque Cunie a complètement défoncé l'échelle. Ma petite pépé. Donc je suis en train de faire mes ongles, ceux-là sont pas encore faits. Et ceux-là sont faits, voilà. Bonjour Cunie. Bonjour mes mères Cunie. Ça va? Ils n'arrêtent pas d'écraser la fraise derrière. Mais bon, ils n'ont pas encore été dedans. On a dû enlever le panier parce qu'ils l'avaient complètement bouffé. Alors, ils ont été dedans tant qu'on l'installait, hein, surtout Cunie, parce que dès qu'on fait des choses, il faut qu'elle surveille. Mais je ne sais pas s'ils vont aller dedans, j'espère, parce que on aura fait tout ça pour rien, sinon. Voilà. Bonjour, bébé Luna. Bonjour, bébé Luna. Ça va, ma mémé? Oh, Guetti, ma petite louloute. Oh, ma petite louloute. Voilà, voilà. Et Gougou, il... Ah, mais il attend en bas. Ah non, c'est Cunie. Attendez, tu ne reconnais plus. C'est Cunie en bas. Qu'est-ce que tu fais, ma coucou? Oui, je sais que vous avez envie de sortir, mais hier, vous avez fait des bêtises quand vous êtes sortis. Hein, Gougou? Principalement toi, hein. C'est toi et Luna, les bêtises, hein. Oui, hein. C'est toi et Luna, les bêtises, hein. En dessous du canapé qu'on a dû aller récupérer encore une fois. Ah non, c'était que Luna. Cette fois-ci, c'était que Luna, pardon, mon petit loulou. Hein, Luna? Qui écoute rien? Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma mémé? Oh, qu'elle était belle. Oh, qu'elle était belle. Oui, elle aime bien être sur YouTube. Hein? T'aimes bien être sur YouTube, hein? Oui, hein? Non, pas mes ongles. Non, j'ai rien à vous donner à manger. Bon. Ben sur ce, moi je vais vous reprendre au bureau tout à l'heure. On va tester le goupillon pour voir
S'il brosse bien les traits de crayon. Et voilà, après je pense que ça sera tout. Non, pas mes ongles. Non, mais arrête de mordre, connasse. Connasse, connasse, connasse. Petite connasse. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, il est 9h15, j'ai les cheveux. Je vais aller filmer le premier make-up avec la Nervina. Ça sera du vert, comme vous ne l'auriez pas remarqué. Et voilà, alors on tient un truc là. On tient un truc, il y a des pétouilles. Hein. Et encore, je crois que vous ne voyez pas bien. J'ai mis le KVD Emerald et par-dessus le fard Glisten, de l'highlighter Glisten. Donc c'est clairement plus des toppers d'highlighter pour rajouter des paillettes sur un highlighter basique, quoi. Je vais dire ça comme ça. Mais au moins là, le vert ressort. Je ne sais pas si ce que vous voyez, mais voilà. J'ai fait mes ongles. J'ai juste mis du vernis, donc c'est le Coffee de Born Pretty, et les paillettes, c'est les Platinum H Blonde de Ongle 24, pour changer un petit peu mon signe ironique. Voilà, donc je suis réveillée depuis 5h30 ce matin. J'ai été me coucher à 22h et j'ai dormi tout du long. Je crois que les ashwagandha font enfin l'ashwagandha de Ortiz, là, je l'ai présenté dans le dernier vlog, je crois, fait enfin effet. J'ai super bien dormi. Je me suis pas réveillée. J'ai 4 heures de sommeil profond sur mes 7 heures de sommeil. Et il n'y a pas marqué de zone d'éveil. Bien que je sais que je me suis légèrement réveillée quand je suis remontée. Mais très, très, très légèrement. Hein. Parce que je me souviens qu'il est rentré dans la chambre, mais je ne me souviens pas qu'il soit couché dans le lit. Donc, c'est pas pour vous dire. Donc, voilà. Là, on va tester donc le goupillon pour brosser le crayon avec ce petit croc là. Comme ça, on va voir si il fonctionne pour quelque chose. Bah, pour le savon, il peut faire affaire, hein, mais pas pour ce que moi je veux, quoi. Donc là, je brosse du coloury. Donc pour l'instant, j'utilise le NYX Micro Brow Pencil en teinte. Ah, je crois. Il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Je préfère largement le Foera ou le Chilam, qui sont plus cendrés, grisonnants. Pour être léger sous ton olive. Bon, bah là, c'est du rapide, hein, parce que je ne sais pas plaqué rien. Donc, je suis tout simplement la forme de mon sourcil. Et j'étire ma queue. Voilà, Amy va encore pouvoir parler de ma queue. Mais si vous nous suivez sur Insta, vous avez vu que hier on s'est pris des délires. Bon, comme souvent. Elle a juste eu un petit peu de répit, c'est quand j'étais couchée, quand j'ai fait la sieste. Mais sinon, j'ai fait chier presque toute la journée. Mais j'adore ça, j'adore le merdier. En même temps, les bons publics, hein, oui. Voilà. Oui, je sais pas ce que j'ai foutu. Ça fait une taille. Et donc, on va blinder le crayon avec ce goupillon. C'est vrai qu'il est super doux. Ça fait comme les pinceaux, vous savez, ça a été la mode à un moment là pour le fond de teint, l'anti-cerne et tout ça. Mais je crois que NYX a sorti des crayons, je crois, avec un logo comme ça.
Ah, ça diffuse de trop à mon goût, on ne voit plus les coups de crayon. J'aime bien quand on voit les coups de crayon, comme ici. Je les blende juste un peu pour les atténuer, mais pas pour les diminuer. Ouais, bof. Je préfère le Révolution. Mettre quelques coups de crayon pour faire une impression de poil quand même, hein, parce que là ça fait tout lisse. Bien sûr, j'ai mes épis ici qui me kikinent. Ouais, c'est bien. Bon, le goupillon, je vais le donner à ma nièce. Elle est aussi presque aussi obsédée que moi avec ses sourcils. Je serai contente, comme je les vois tout à l'heure. Voilà. Mais par contre, ici, ça fait comme j'ai l'impression d'avoir une tache. En même temps, j'ai pas encore mis ma base, donc. Écoutez. Voilà. Bon. Pas grand intérêt. Je préfère largement celui-là pour les sourcils tout court. Voilà. Il est peut-être un peu plus dense, même le. Ouais. Il est un tout petit peu plus dense le spoolie et la brosse est beaucoup plus complète. Là c'est plus large, donc plaqué ça plaque plus d'un coup et ça définit plus le sourcil quand on brosse avec ce genre de brosse là. Voilà, donc ça ira à ma nièce, je vais le nettoyer et je lui donnerai tout à l'heure puisque je vais leur donner aussi leur petit cadre que j'ai fait là, il y a un certain temps mais je ne les ai pas revus depuis. Et voilà. Donc bah écoutez, moi je vais aller filmer, donc je vais vous laisser là pour ce vlog. Admirez la couleur de mes cheveux. Là j'ai vu, j'ai une superbe mèche bien turquoise. Bah, ça a vraiment pris. Amy va me les refaire quand on va se voir. Mais elle m'a dit qu'elle allait faire que le vert de Révolution. Mais du coup j'aurais plus de turquoise, ça sera que du vert. Oui, regardez ici, on voit les deux couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais ici c'est le vert de Révolution. Et là c'est le turquoise de Crazy Color. Mais regardez-moi cette couleur. Oh, je suis totalement amoureuse de la couleur de mes cheveux. Je comprends pas pourquoi j'ai pas fait du vert avant. Voilà, et ici c'est une mèche qui a pas super bien pris. Regardez, on voit encore un peu du bleu. Voilà, Amy a attrapé des cheveux blancs hier en regardant ma vidéo crash test. Mais j'adore. Regardez, oh, quelle beauté de couleur. Et encore, vous voyez pas bien. Mais c'est oh, c'est trop beau. J'adore. Mmh. Voilà, bon, je vais dézoomer un tout petit peu quand même parce que vous ne voyez pas bien. Je vais donc aller filmer. Je vais vous laisser là pour ce vlog. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain, de toute façon. Il y a probablement une vidéo là. Bah oui, je crois que vous allez avoir la vidéo. Non, c'est les favoris. Je vous ai donné le planning, mais je sais déjà plus. Favoris. Disney Challenge, mercredi. Vendredi, le crash test du colis du concours de Natacha, puisque là, il est en train d'arriver, donc j'aurai aujourd'hui ou demain. Et samedi, une paille trop avec la Norvina, que je vais commencer à tourner maintenant. Et dimanche, le weekly vlog. Donc ça vous fait 5 vidéos encore. Et voilà. Est-ce que j'ai des colis? J'attends toujours mon colis des Zénus. Je pensais qu'il allait arriver aujourd'hui. Il n'a pas l'air motivé. L'autre, j'espère qu'il va arriver aujourd'hui aussi. Et voilà. Ben, écoutez, c'est tout. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous.